Hey, salut tout le monde et bienvenue pour l'épisode chinchin de City Skyline. J'allais dire SimCity, mais oui, bah oui, bah non. City Skyline. Bon, alors, au niveau de l'électricité, on va raser ça parce que ça sert plus à rien ici. Ça, je le laisse. Alors, ce que j'ai fait, c'est que voilà, j'ai fait en fait ce que je voulais faire, ça veut dire deux voies directement, ici et ici. Ici, je vais faire, je l'ai laissé à double voie. Pourquoi? Parce que pour l'instant, en fait, ceux qui viennent de là, ceux qui vont là-bas, soit ils partent là-bas et c'est à sens unique, soit ils reviennent là pour accéder ici. Alors, il y a deux choses que je voulais voir. Et là, c'est pour ça que je suis en train de me demander, en fait, est-ce que je ferais pas, je coupe ici directement, donc ça évite de passer par là. Du coup, ça va engendrer du trafic sur toute l'avenue là, donc du trafic ici et là, voilà. Et ici, je vais devoir du coup augmenter la route principale. Cette route-là, je vais devoir l'augmenter obligatoirement. Ce qui veut dire que ici, par exemple, je vais devoir couper. Ça va générer du trafic parce qu'il y a bien les habitants de la ville là qui doivent aller ici. Donc, c'est pour ça qu'il me faut du fric déjà. Et également. Ce que je veux faire, c'est que il va falloir que je fasse une petite ville quelque part d'autre. On va faire une petite ville ici, ça peut être sympa. Ça peut être sympa. Celui-là, il passe là, il passe là, il glisse là. Pour ceux qui arrivent là et ceux qui arrivent là, faire un petit demi-tour. Ouais, ça peut être sympa. Ceux qui arrivent là. Non, ça va pas le faire. Il va falloir que je fasse une route directement d'ici. Hop, bien qu'à partir de là, plutôt là, on fait tac. Donc ça génère un feu obligatoire, hein, naturellement. Ça, c'est pas trop un souci. On va du coup faire nos routes habituelles. Hop. Ça peut être pas mal de refaire jusque-là. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc c'est parfait. Il va falloir qu'on augmente évidemment de l'énergie, hein, naturellement. Sinon c'est pas drôle. Donc du coup ce que je pourrais... Ah oui, pas assez d'argent, j'ai rien dit. Niveau de l'eau, je peux tout ramener d'ici directement. Donc ça c'est plutôt un bon point. On va augmenter, faire arriver en fait des gens jusqu'ici. Voilà. Et quelques petites baraques là. Pas trop non plus, hein, c'est pour qu'il y ait un petit quartier en fait plutôt sympa là. Voilà, jusque là. Voilà. Ensuite, l'énergie, je vais devoir le faire arriver. Je vais peut-être le faire d'arriver plutôt de là, en fait. Voilà, en plein milieu. Voilà. On a l'énergie et il nous faut de l'eau maintenant, forcément. Voilà, on a ce qu'il faut. Donc ça, c'est en train de du coup se générer. Il va falloir que je recrée une petite zone. Une petite zone. Une petite grosse zone plutôt. Voilà. Hop. Une petite grosse zone.
Les ennemis du sud. Hop là. Tout ça, c'est un nouveau. Parc ancré. Ville secondaire. Je me fais même pas chier à savoir qui c'est qui fait quoi. Qui fait qui. Voilà, donc ça, c'est bon. Au niveau de l'énergie, on est plutôt correct. Au niveau des eaux, on est correct. Au niveau de ça, ça va faire correct un moment. Au niveau de capacité, ça va. Au niveau des pompiers, on va peut-être en rajouter une après. Police, on est tranquille. Ville secondaire, il y a 106 habitants, 6 buildings, quelques véhicules, pas beaucoup. Aucun job. Ah bon? Ah oui, mais il faut le temps que ça arrive en fait. Peut-être on va pas faire en fait, on va pas faire de job. On va faire que de l'habitation ici. Ça pourrait être sympa que de faire. En fait, des jobs. Au total des jobs, il en manque 50% des jobs. Donc on va faire que de la ville ici. On va faire que de la ville. Pourquoi que de la ville? Bah c'est tout simplement pour remplir les jobs qui a besoin. Putain, ça ressemble tellement à une bite ça. Hop. Donc vous voyez là, ça en fait là ça demande beaucoup de personnes. De toute façon ça se voit, hein, le truc est quasiment à fond. On va exiger tout ça. Voilà, je pourrais même faire directement le gros rond. Voilà. Donc vous voyez, en tout cas, au niveau des habitants, là, ça monte à une vitesse assez impressionnante. C'est parce qu'il y a besoin justement de main-d'œuvre. Donc du coup, on va faire tout ce qu'il faut pour avoir cette main-d'œuvre. Voilà. En fait, je voudrais bien alimenter toute la ville en eau. Voilà, et ville secondaire. Ah, pas assez de fric, évidemment. Donc ça, ça arrive petit à petit. On va augmenter encore les zones, hein, parce qu'il nous faut des habitants. Voilà. Donc c'est en train de créer tranquillement. On va augmenter jusque là. La petite zone là. Donc ça arrive petit à petit. Là actuellement, la ville en fait secondaire a pour l'instant 300 habitants dedans. Voilà. Et aucun job, parce que je le veux pas. Pollution, il y en a très peu. Industrialisation, 100% de pollution. Et sur toute la région, il n'y a plus que 27% de pollution. Alors, la ville secondaire, ça va être plutôt la ville principale à force. Parce qu'au niveau de ça, il y a le petit quartier là, en fait, qu'on va recréer plus tard. Bien plus tard, on va recréer ça en quartier commercial, faible densité. Et ici, on va faire le gros quartier. On verra ça plus tard. Au niveau de la population, et non de la pollution, population, ça augmente au niveau des jobs. Je veux savoir au niveau des jobs, ça reste un petit peu encore au même tarif, donc du coup on va encore augmenter. Normalement, de toute façon, ça va construire, hein. Ça c'est en pleine extension, explosion d'habitants. Donc hop, on va remettre là. Je mets pas là parce qu'il y a les autoroutes. Celui-là, je vais le mettre. Voilà. Hop, on va mettre ça. On va le mettre jusque-là, tiens. Hop. Toi, si tu veux aussi. Voilà. Toi, je vais pas te le mettre. Toi, je te mets. Non, toi, je te mets. Toi, je te mets pas. Voilà. Ça, évidemment, je le mets du coup. Ceci étant dit, ceci étant fait, alors, ça fait toute cette route-là. Donc du coup il va falloir quand même augmenter un petit peu de la route pour justement qu'ils puissent avoir un meilleur accès. Déjà ça c'est déjà mieux. Ouais, forcément là ça risque de toucher du monde. Là aussi en fait les courbes, c'est assez problématique, mais voilà. Et
c'est nécessaire. Ouais, on va quand même améliorer la petite route là. Pas l'améliorer, mais faire un... Voilà, un accès direct. Et on va faire un accès là, parce que du coup... Voilà, on va faire un accès là. Donc ça veut dire que, ici, je vais dézoner. Ah bah, faites attention les gens, c'est arrêtez de déconstruire. Voilà. On va faire une petite zone ici, une petite zone là. Ah oui, ça dézone et puis ça rezone, d'accord, très bien. Donc au niveau de la population, ça commence à augmenter. On va faire là, voilà. Au niveau de la population de la ville secondaire, nous en sommes à 632 actuellement. Aucun job, naturellement. Et bah, au niveau des jobs global, ça commence à augmenter. Industrialisation, il nous manque 400 personnes environ. Et au niveau de la ville principale, il nous en manque à peine 100. Pour faire gros. Hein. Donc au total, il nous en manque quand même 600 personnes. Donc ça va aller vite. Ah oui, c'est vrai, une petite antenne de pompiers qu'il va falloir que je mette quelque part. La population n'explose pas forcément assez rapidement, hein. Il faut dire ce qui est là actuellement. Ah, ça freine un peu, ça freine un peu, mais ce n'est qu'un début. Que ça freine, non, mais que ça monte doucement en fait. Du coup, pas assez d'argent en cours. Ça va aller. Faut que je fasse une petite antenne ici de pompiers, d'ambulance ou quoi. D'ambulance, ils sont pas mal. Ils sont plutôt même corrects en fait. Sympa. Au niveau de la déchetterie, utilisation des décharges 84%. What? Ah ouais, 84%, très bien. Au niveau de la décharge, il va falloir que je fasse un coin à décharge. Là, c'est panneau solaire, donc je verrais bien pour mettre ça, par exemple, ici. Ce genre de choses, quoi. Ouais. Hop, voilà. J'ai remis un truc ici, hein, parce que sinon, il va pas y avoir assez à force. Donc ici c'est à simple sens, donc une fois qu'ils vont là, ils repartent là-bas. Il va falloir que je fasse une petite bretelle là pour accéder à la ville principale. Dire ici. Donc du coup faire à double sens. Double sens, je pourrais le faire à partir de là, là, là. Du fait que... Et la plupart elles vont là quand même. Il faudrait que je fasse à double sens ici. Hop. Peut-être pas à double sens jusqu'au bout. En fait, il faudrait que... Désolé. Hop, je détruis ça, que je monte en fait cette route là, en accès direct, pas forcément direct direct, plutôt en accès souterrain, dire en faisant dire ça, en faisant ceci. On peut pas, non, on peut pas creuser encore, c'est vrai. Pas assez d'argent. Ah d'accord. Pas assez d'argent, pas assez d'argent. Bah on va faire un petit prêt quand même, parce qu'il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour cette route. Voilà, c'est assez moche, mais ça marche.
Et forcément, par la suite, bah, je voudrais augmenter ça, hein. Ça va de soi. Ouais, alors, il fallait plus une bretelle, en fait, hein. Et la bretelle, c'est qu'à 2600 personnes. Bon, ça crée un petit feu, certes, mais bon, c'est pas non plus trop embêtant. Voilà, ici ça a double sens, du coup ça part là, ça part là, ça repart là-bas. Donc c'est plutôt sympa. Ça fait son petit chemin, ici c'est toujours bon sens de toute façon. Il n'y a aucun souci pour ça. C'est pour accéder aux villes, aux autres villes en fait. Voilà. On va faire directement ça en fait. Voilà. C'est très moche, très laid, mais rien, un peu rien à faire. F. Voilà. Désolé, c'est pour augmenter. Ceci étant dit, ceci étant fait, il va falloir quand même faire une courbe pour avoir un accès plutôt principal. Voilà, c'est ça les problèmes, c'est que ça va devenir hors limite à force. Ouais, enfin bref, on va laisser ça comme ça, on va laisser... Par contre, c'est une explosion d'habitants, parce que ça demande vraiment à y être en tant qu'habitant ici. Ah bah, c'est parfait, hein, c'est... Que demande le peuple, hein, franchement. Hop. On va faire les accès par là. Voilà. Ceci étant fait. Oh. On amène tout ça. Tiens, on va faire tout le quartier là. On va le remplir, celui-là aussi. Voilà. Voilà, celui-là. Toute la partie là, je vais la mettre aussi. Voilà, comme ça c'est fait. Voilà. Il y a un petit truc que je voudrais mettre en place dans ce quartier là. Alors après, je ne sais pas si c'est vraiment une bonne idée. C'est plutôt mettre un petit peu quand même de job. Pour être pas mal. Avec tout ce qui va se construire, il va demander des bureaux. Hein, de toute façon, à un moment. Donc du coup, je verrai bien en fait sur les routes là. Avoir un accès ici en fait. Voilà. Voilà. Normalement, ça doit se construire. Hein. Au fur et à mesure du temps, ça va se construire. Voilà, ça va vraiment se construire là. Là, on peut pas mieux faire. Peut-être pas forcément de ce côté en fait. Je vais le faire plutôt de l'autre côté. Voilà. C'est plus de la grande zone d'habitants ici. Hop. Ah, si, si, c'est possible là. Ah, ici je vais pas trop en mettre. Voilà. Et puis on va mettre tout le quartier là en vert.
Évidemment, ça manque d'eau, oui, forcément. J'ai pas tracé la ligne directement. Faire un reliage ici. Je sais même pas si ça dit, mais c'est pas très grave. Donc, au niveau des eaux, ça va. Au niveau de ça, c'est bon. Ça, on est correct. Ça, on n'est pas correct. Il va falloir qu'on trouve une antenne à placer. Ou plusieurs antennes. Pas assez d'argent, ouais, forcément. Pas assez d'argent, mais ça va. On commence à augmenter au niveau de la population, c'est bien. Alors, au niveau de la ville secondaire, actuellement, nous en sommes à 8 jobs sur 51. Bon, bon, ça va. Valeur de 2%. On a quand même 1100 habitants ici. Au niveau des jobs total, nous en sommes à 1400 sur 1800. Donc, ça veut dire qu'on augmente, hein, les jobs. Il faut essayer de les remplir à 100%. Je vais raisonner maintenant comme ça, hein, grâce au tableau que j'ai à côté, je peux maintenant voir un petit peu ce qu'ils ont besoin sans trop y réfléchir, sans trop bidouiller en fait de partout, droite et gauche. Donc c'est plutôt sympa. Alors ici forcément, ça va. Ah bah, 2600, voilà. Recyclage, les nouveaux axes, les éoliennes avancées, dépôts de bus, ce genre de choses. Hop. Au niveau du rouge, ça veut dire que ça va vraiment principalement ici, parce qu'il faut que ça travaille, hein, naturellement. Et ça va un petit peu dans la ville là et ça repart de droite et gauche. Hein. C'est pas très grave. C'est plutôt même en bon point. Donc ça veut dire qu'il y a une bonne circulation. Donc c'est plutôt sympa. 2600 habitants, c'est parfait. On va pouvoir mettre maintenant. Ah bah déjà en plus, j'ai ça à rembourser. Voilà. On va pouvoir mettre des politiques maintenant, normalement. Non, on peut pas. Ah, c'est 8000 personnes, d'accord, très bien. Parc et loisirs, interdiction de fumer, recyclage. On va le mettre. Et utilisation ludique. Alors, légère augmentation des recettes fiscales, augmentation modérée du tourisme, légère baisse de criminalité, on augmente le budget de police de 15%. Ah, on peut, on pourrait le mettre. C'est pas très gênant, ça, en fait. C'est pas très gênant, c'est plutôt sympa, d'ailleurs. Faire surtout du recyclage, hein, c'est... C'est quand même quelque chose que je veux, c'est le recyclage, ça c'est prioritaire. Et ça, interdiction de fumer, c'est... C'est plutôt un bon point, ça évite les problèmes. Voilà. Industrialisation, donc ça va. Au niveau de l'industrie, il commence à nous redemander un petit peu de personnes, exigences en bureau moderne et autres. Donc on va leur donner ce qu'il faut. Voilà. Et on va leur donner des industries. Pas de ce côté. Voilà. Que d'un seul côté. Il faut qu'ils travaillent en fait petit à petit. Ça sert trop à rien de leur donner ce qu'il faut. Au niveau d'ici, de la ville principale, j'ai un petit peu tout amélioré. C'est plutôt sympa. Il va falloir qu'on augmente un petit peu les routes quand même. Alors, désolé les bâtiments si je vous détruis. Forcément, ils ont un peu moins de quartier, mais c'est plutôt sympa toujours. Voilà, ça a double sens, c'est sympa. Hop. Voilà, un accès ici. Est-ce que ce qui va... Ouais, ça va tout pile. Hein. Ouais, ici, il faudrait qu'on... Qu'on fasse le petit quartier qui va bien jusque-là. Voilà. Tout ça, c'est notre quartier maintenant. Avec la petite bordure en route qui va bien. Voilà. Donc,
En fait, j'ai encore un accès là, complet. Donc on va le tracer. Voilà. Voilà. Ici, ça va être toute la zone. Ah, oh putain, ça commence à être un petit peu craignos ici. Coup. Hop, voilà. Au niveau des morts, on en a ou pas? 61 décès, ouais. On a augmenté la route là, hein, oui. Alors il fallait que je le mette complètement à un accès plutôt correct. Ouais, ils sont contents ici, mais je voudrais bien les mettre ailleurs. Ouais, on va le mettre là. Voilà, ils sont tous contents. Il y a un cimetière à côté d'eux, ils sont tous contents. Donc, on va faire ce qu'il faut. Au niveau de l'eau, on va augmenter le réseau, hein, naturellement. Il faut bien augmenter l'eau. Voilà. On va vraiment recouvrir toute cette zone, hein. Voilà, toute la zone là est recouverte d'eau. Et traitement des eaux usées, ça commence à être un peu juste. Donc, il va falloir qu'on rajoute un petit peu de petites choses. Voilà. Traitement des eaux usées. Ça commence à bien polluer par contre. Au niveau de l'énergie, nous en sommes limite. Alors, on va rajouter ce qu'il faut. Voilà. Trois panneaux de plus. C'est toujours mieux que ces putains de trucs là qui payent. Qui coûte vraiment trop cher d'ailleurs. Voilà. Donc ça coûte plutôt cher. Au niveau de l'énergie, par contre, je suis à 150%. Au niveau des eaux, on est tranquille. Alors, ça, c'est une source. Ouais, ok. Tac. Tac, voilà, c'est ça que je voulais en fait. Donc ça a un accès grâce à ça. Ça je peux delete. Un accès grâce à ça, un accès grâce à ça. Ça ici, ça là, et ici ça dit police. Pourtant police, ça va, ils sont plutôt corrects. Hein. Il y a pire, hein, mais il y a mieux. Alors, au niveau de ça, c'est correct. Au niveau du quota actuel. Ah, au niveau des jobs, on est quand même quasiment 100% de la chose. Hein. C'est quand même important. On est à 1930 sur 2137. Donc, en fait, une 200 jobs de disponibles. Donc, c'est plutôt sympa. On est 3052. Ouais, c'est bon. Bon, c'est bien, c'est sympa. Pollution des sangs augmente en fait de l'industrialisation. Ouais, bah, c'est normal. Donc, on voit bien que c'est bien pollué. Hein, ça, il n'y a pas de souci. Site de décharge, hein, 29% rempli. Ville principale, on va augmenter. On va augmenter un petit peu la zone urbaine ici. Voilà, on va l'augmenter. Voilà, tout ça c'est augmenté. Donc ça, maintenant, je n'y touche plus trop. La route là, je voudrais bien la mettre en correct. Hein. La mettre comme ça. Forcément, je ne peux pas. Forcément ici, je ne peux pas non plus.
Ça, il faut que je le déplace. Ah merde. Merde, des morts conservés. Fuck. Route. Route. Voilà. Il y a des routes partout. Hop. Donc, accès là, 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 là. Ici aussi, là, on va mettre plein de verre. Voilà. Plein de verre. Ici, on met pas de verre. Là, on va pas mettre de verre. Ça évite les problèmes. Donc ça, c'est bon. C'est fait. Donc il y a une route directement qui va aller là. Là, on va plutôt faire une route directement là. On va supprimer ça. Voilà. On va faire un accès plutôt direct. Ça évitera les petits bouchons par la suite. Voilà. Ici, des accès directs. Faudrait que je mette un accès plutôt là aussi. Mais on va laisser comme ça. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt sympa. Qu'est-ce que ça en dit au niveau des jobs? On commence à approcher du 100%. Donc c'est sympa. Les décharges ont une capacité limitée. Ouais. Ah, plusieurs problèmes, voilà, on l'éteint parce que le site il est plein, ça vite ça bouffe pas d'énergie, donc du coup on est tranquille. Ah, l'énergie par contre là c'est... Ah, ça commence à être problématique ici. Voilà, ça va être moins problématique. Bon, en tout cas c'est très beau, c'est très sympa comme mode photovoltaïque énergie. C'est sympatoche. Du coup, au niveau de ça, on est à 68%. Au niveau de la santé, on est pas trop mal, mais ça aurait pu être mieux. Efficacité, 100%. Bon, on va savoir. Pompier, j'ai une antenne ici. Faudrait que je mette une autre antenne ailleurs. Ça, on est plutôt correct. Au niveau de l'école, ils sont complètement dans la merde, par contre. Voilà. On fout une petite école en fait, histoire qu'ils soient contents. C'est la seule école en plus du secteur, quoi. C'est lol. C'est lol. Voilà, donc du coup, nous on va se laisser là. Ça va faire un très bon épisode, hein, surtout. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'éclate. Ça m'éclate de refaire une ville. Et puis, on arrive à 2173 jobs disponibles dans toute la ville actuellement. On augmentera par la suite, bien sûr, sur les côtés, mais pour l'instant, on va faire ça petit à petit. Voilà, sur ce, je vous laisse. Moi, c'était Épée. Bisous tout le monde.